Salut tout le monde, c'est Steven. On se retrouve avec Minecraft plus Mods. Cet endroit a l'air plutôt familier, mais c'est pas tout à fait ce que vous connaissez. C'est parce que j'ai déménagé. Me trouve maintenant à côté d'une montagne, dans une plaine. Mon truc originel est à 1000 blocs par là. Ma première base est à peu près vers 800 blocs par là. J'ai à peu près tout déménagé, y compris le fuel. Il me reste deux colonnes, je crois, ou une colonne là-bas. Mais pour l'instant, ça suffira. Surtout que j'ai un gisement de pétrole là-bas. Et donc, on va commencer à faire la base. Il commence à faire nuit. Donc, déjà pour la base, je voudrais un souterrain où je vais mettre la machinerie un peu délicate slash complexe. Là où, enfin, en fait, ça sera le sol qui me permettra d'alimenter tout le reste de la base, à peu près. Donc, premièrement, on va se faire. J'ai pas assez de trucs comme ça, et puis, on va se faire deux autres Stirling Engine. Donc, qui se fait avec de la pierre. J'ai pas assez de cobblestone, si. Tout juste. On prend nos engrenages de pierre, nos pistons, du verre. Non, j'ai pas assez de cobblestone. Ouais, il va falloir que je mine tout ça. Donc, que je vous explique pourquoi j'ai déménagé. J'ai ajouté au pack de mods Thermal Expansion. Le seul souci, c'est que du coup, il y avait des minerais que j'avais pas dans mon autre base. Et donc pour les avoir, j'ai préféré venir ici. Par contre, donc en fait, y avait aussi des minerais qui étaient dupliqués. Donc par exemple, il y avait plusieurs sortes de cuivre, enfin de minerais de cuivre et plusieurs sortes de minerais d'étain. Et donc ce que j'ai fait, j'ai désactivé la génération des minerais de Buildcraft. Non, c'était de Forestry. Et j'ai activé uniquement celle de Thermal Expansion. Mais le fait est que le cuivre de Thermal Expansion est utilisable avec celui de, enfin comme celui de Forestry. Et j'ai converti voilà, j'ai converti mes ressources au format Thermal Expansion également. Comme ça tout est bien unifié. J'ai plus beaucoup de fer comme vous le voyez. J'ai mon seul shard de squelette tier 5. Ça j'ai trouvé dans un donjon. Et donc ça c'est de l'apatite. Donc avec la version 2 de Forestry, ça spawn dans les montagnes principalement, mais en fait un peu partout au-dessus du niveau 60. Et ça spawn en de grandes veines. Donc voilà pourquoi j'en ai autant. En tout cas, moi je vais utiliser un filler pour creuser, parce que j'ai pas envie de faire un quarry pour le moment. J'ai pas envie non plus de creuser à la main. Alors, est-ce que je peux me rappeler. Non, déjà il me faut du jaune. Est-ce que je peux me rappeler de comment on craft ça? Il semble que c'est quelque chose comme ça, ou l'inverse. Oui, voilà, un filler. Et si je ne me trompe pas, il faut commencer par poser des marqueurs qui vont dire comment est-ce qu'on veut creuser notre base. Un peu comme un carré en fait. Mais ici ça va. Voyons voir. Peut-être que je monte un peu. Et je peux alimenter ces choses. Je vais faire plus de levier. Je peux les alimenter pour montrer des rayons laser qui vont m'indiquer où vont les choses exactement. Voilà. Donc je voudrais faire 11 blocs, je pense. Donc à l'intérieur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Plus 1 pour le mur. Voilà. Donc ici. Bip. Voilà. Et pareil de l'autre côté, mais ça sera plus long que large. Ah, je crois qu'il détruit pas l'eau par contre. Mais en fait, on va s'arrêter juste ici. Je vais enlever cette eau. Voilà.
Et donc on va arrêter le... On va dire jusqu'ici. Allez, ça me paraît être une bonne taille. Enfin, c'est un peu à l'arrache, mais c'est pas grave. Il nous faut un autre là-bas. Donc j'ai un carré. Et ensuite, il faut que j'aille en profondeur, lui dire jusqu'à quelle profondeur je veux creuser mon sous-sol. Donc on va dire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va dire 6 blocs de profondeur. Ouais, ça me paraît pas mal. Ok. C'est toujours un peu compliqué à mettre en place ces trucs-là. Ah mince, j'aurais dû l'alimenter pour voir à quelle profondeur j'étais. Un escalier. Hop. Voyons voir. Ok. Tu fais des lasers? Non, tu fais pas de laser? Bon, tant pis. Tu devrais pourtant. Voilà pour ça, et donc ensuite on va par ici et on fait de même. Jusqu'à trouver la chose. Il ne nous le montre pas, c'est étrange. Ah, j'aurais peut-être pas dû les activer déjà. Ça, c'est joli, hein. Voilà. On cliquera, enfin, on fera un clic droit une fois qu'on aura terminé de tout placer. Ok, je suis allé beaucoup trop profond. On met un ici, on va l'alimenter pour qu'il nous donne un beau rayon laser. Ensuite un ici. Il ne nous reste plus qu'un seul à placer. Donc en fait voilà, pour le carry ou quarry, comment ça, comment vous voulez prononcer, il faut les définir. Voilà. Et est-ce que je peux cliquer droit peut-être dessus? Il faut les définir un peu en 2D en gros. Alors que ici, il faut les définir en 3D. Que la profondeur va être importante. Ensuite, on place notre filler. C'est à partir de là que je sais pas trop comment ça marche. Il me semble que. Non, c'est pas ça. En fait, il y a une recette particulière pour vider. Ouais, ça doit être ça. Ensuite, on alimente. Et hop, on va mettre 8 là, pardon, 8 ici, puis le reste, oh, je vais chercher un peu plus. Charbon, ouais, utilisons du charbon de bois, pourquoi pas. J'en rajouterai ensuite si on a besoin.
Il nous faut un levier en plus, que deux leviers. Comme ceci, et on alimente. Et je crois que ça commence par le bas, donc on va le laisser faire sa chose. Je sais pas du tout si ça fonctionne ou pas. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Oups. Ah si, ça pompe de l'énergie. Donc ça devrait fonctionner. Et bah vous savez quoi, je vais laisser tourner et puis on se retrouvera quand j'aurai un résultat. Ou aucun résultat, hein. Ça se trouve ça va pas marcher. Ok, je me suis très légèrement fourvoyé. Hop, on va casser ça. Oups. Oups. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il faut que le filer soit juste à côté de ce landmarker. Hop, par contre je veux bien mon moteur. Merci. Et donc si je mets là, ça devrait fonctionner comme un charme. Encore faut-il que je mette des choses dedans. Ou pas. Peut-être que je l'alimente avant qu'il commence à fonctionner. Peut-être feignant, hein. Hop. Ouh, je t'ai entendu pondre en neuf, toi. Oh. Il s'est mis en rouge, pourquoi? Bon. Oups, j'enregistrais pas bon format. Donc en fait il fallait que le filer soit au niveau d'une torche qui soit au, en bas du rectangle que j'ai formé. Donc c'est ce que j'ai fait et donc comme vous pouvez le voir ça commence à miner. Donc on se retrouve une fois que ça sera terminé. Je pense que ça devrait pas prendre trop longtemps. Et c'est quasiment terminé. Le seul désavantage du... Enfin, un des avantages du filer par rapport au, carry et qui fait qu'il peut pas être utilisé pour miner, c'est qu'on récupère pas les blocs. Comme vous pouvez le voir, les blocs s'en vont, mais ils sont direct détruits. Sauf quand on les récupère à temps, mais il faudrait courir après le truc sans arrêt, ce qui est pas vraiment possible. Mais ça a bien fonctionné, j'ai pas utilisé trop de charbon pour le faire, mais Stirling Engine, je peux les arrêter maintenant je pense. Viens voir ça en est où, ouais c'est bon. Le filler peut également, comme son nom l'indique, remplir des endroits, des cubes. Bon là j'ai fait une surface plane. Donc on met les blocs ici, on fait cette forme-ci. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre en route. Et ça va créer notre base automatiquement. Donc c'est plutôt cool. Voilà, et donc la dernière étape va être de transférer tout ce fuel au sous-sol, où sera tous mes systèmes d'énergie. Donc je vais avoir plusieurs, enfin un bon nombre de tanks. Comme ceci, peut-être rajouter un cinquième au-dessus, pourquoi pas. Et donc ils seront tous pompés de telle sorte qu'il y en ait le maximum, enfin un maximum dans le dernier. Et donc j'utiliserai le fuel qui est dans le dernier, donc j'aurai toujours des redstone engines qui permettront de pomper le fuel jusqu'au dernier tank. Donc pour l'instant, voilà, je vais vider tout ce que j'ai là et au fur et à mesure je transférerai les nouveaux tanks en bas. Donc je vais devoir crafter des nouveaux redstone engines. Mais je pense que ça sera à peu près tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée et à plus.